Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Volodymyr Zelensky s'est exprimé en personne à l'Assemblée générale des Nations unies. Depuis le siège de l'organisation à New York, le président ukrainien a appelé les dirigeants du monde entier à participer à un sommet de la paix. The Ukrainian peace formula is becoming global. Its points offer solutions and steps that will stop all forms of weaponization that Russia used against Ukraine and other countries and may be used by other aggressors. For the first time in modern history, we have a real chance to end the aggression on the terms of the nation which was attacked. Volodymyr Zelensky a également rencontré des dirigeants des pays du Sud pour tenter de les rallier à sa cause et a essuyé quelques critiques venant du président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis. I have questions for him. Where's the accountability and the money we already spent? What is the plan for victory? I think that's what the American public wants to know. Look, what Russia has done invade is wrong. It's an atrocity. We want to make sure that ends. I also have always said from the beginning, no matter what the issue is, I want accountability for whatever the hard-working taxpayers spend their money on, and I want a plan for victory. Alors que la contre-offensive ukrainienne avance lentement, Kiev continue de demander de l'aide militaire à ses alliés, notamment pour protéger son ciel. La nuit dernière, 17 des 24 drones lancés par la Russie ont été abattus selon l'armée ukrainienne.